Et comme je disais encore, que vous verrez même ces choses dans l'église. La manière dont les gens s'imaginent, ils pensent à l'incapacité des autres. Et vous allez voir, parfois ils s'attaquent avec des petits mots. Vous trouverez les prédicateurs que nous sommes, du haut de la chair, en train d'attaquer même nos responsables. Wesley connaît bien un homme. Lorsqu'on lui a donné la chaîne, il a commencé à prêcher. Il parle. Il sentait même qu'il parlait très bien. Et il voit la foule ne réagissait pas. Et le monsieur a dit, mais si c'était pasteur béni, vous aurez acclamé et donné la dîme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on vous a donné seulement une occasion pour prêcher. Pourquoi vous vous attaquez au pasteur? Moi, quand je parle, vous ne bougez pas, vous ne riez pas. Mais si c'était papa béni ici, eh bien, tout le monde allait commencer à montrer les dents. C'est ça la mission qu'on vous a confiée. Voici seulement une petite parcelle de pouvoir. 50 minutes de prédication, vous vous détournez. Alléluia. Et si on vous donnait tout un mois? Église du Seigneur, restons à ce qu'on nous a confié comme mission. Faisons parfaitement notre mission. Et c'est dans cela que nous rendrons chacun compte à Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui on vous a donné une parcelle de pouvoir, contentez-vous de ce qu'on vous a donné. Faites cela parfaitement, car l'orgueil précède toujours et toujours la chute. Qui dit gloire au Seigneur? Lorsque Lucifer s'est retrouvé avec une parcelle de pouvoir, il devrait entendre les louanges, il devrait entendre l'adoration. Il dit, mais non, c'est pas possible, moi je ne peux pas tout donner au Créateur, ceci m'appartient. Et il a voulu s'accaparer de cela. En voulant s'accaparer comme l'orgueil précède la chute, Lucifer est devenu Satan. Il a été précipité. Alors que nous sommes en train de parler de la louange et de l'adoration, et sachant que Lucifer a travaillé dans ce domaine, et j'aimerais que nous puissions un peu insister. Pour avoir travaillé dans ce domaine, pour avoir connu ce que la louange représente, la Bible dit qu'il y avait la musique, il y avait les flûtes, il y avait les tambourins qui étaient là, qui l'accompagnaient. Quand il entendait tous ces sons, il a trouvé que c'était très beau. Et comme il voulait s'accaparer de cela, il a été précipité. En étant précipité, il a volé certaines inspirations. C'est ce qui a donné, et afin que ses disciples, ces inspirations qu'il a volées, aujourd'hui il entraîne plusieurs. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la musique mondaine ou bien la musique profane. En ce qui concerne la définition de la musique, eh bien c'est un son agréable à l'oreille. Mais lorsque nous parlons de la musique profane, de la musique mondaine, il s'agit de cette musique dont Satan est l'inspirateur. Alléluia. Ça peut être des bonnes paroles. Quelqu'un peut me dire, mais non, ma musique ici, j'ai eu un songe, j'ai fait de très bonnes paroles. Mais avant de sortir son album, vous allez vous rendre compte qu'il va, il va aller faire des sacrifices. Eh bien, ça c'est une inspiration diabolique. L'inspiration de ce que nous appelons comme musique est différente. La musique diffère d'une autre de par l'inspiration. Celle qui est inspirée par le Saint-Esprit amène les gens à la vie, amène les gens au salut. Mais celle qui est inspirée par le diable amène les gens à la destruction. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne passerez pas le temps en écoutant ce que nous appelons gospel music. Le gospel signifie God is spelling. Dieu est en train de parler. Dieu peut vous parler parce que nous aimons, chacun aime bien la musique. Parce que nous aimons la musique, ça fait un peu du bien. Dieu nous parle. Alors que nous écoutons, il y a certaines inspirations que Dieu nous communique dans tel ou tel autre domaine de la vie.
Et l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions avoir du succès, nous puissions réussir. Dans Jean 10, il dit, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et tuer. Mais moi, je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient en abondance. La vie et la vie en abondance peuvent vous être communiquées même par la musique. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avec ces différents objectifs, d'une part, l'objectif qui mène à la mort, d'autre part, l'objectif mène à la vie. À cause des paroles qui sont inspirées. Les paroles qui sont inspirées de Dieu, je le répète, amènent à la vie. Mais les paroles qui sont inspirées par Satan amènent à la mort. Satan s'est vraiment infiltré, mes frères et sœurs, dans les domaines de la musique. Dans ce domaine, il est vraiment bien entré. On peut trouver le rap, on peut trouver, le reggae, on peut trouver le rock, on peut trouver même la rumba, même chez les chrétiens, on peut les trouver, ça s'appelle musique. Mais en ce qui concerne l'inspiration des paroles, l'inspiration des gestes, l'inspiration des actes, c'est là où il y a la différence entre ce qui est de Satan et ce qui est de Dieu. Je ne refuse pas qu'un jour, dans notre chorale, nous ayons un rappeur qui nous parle de la parole de Dieu. Mais tout cela, présentement, comme j'ai dit, écoutez, église, écoutez-moi bien. Pendant ce temps, le diable, connaissant bien les secrets de louange et adoration, il s'est infiltré dans la musique, spécialement dans le rap. Ils sont nombreux, ces satanistes qui chantent des paroles qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et vous les verrez. Si vous n'entendez pas leurs paroles, vous les verrez par les gestes. Ils font ces gestes qui sont en train d'envoûter les peuples de Dieu. Les rôles de la musique profane, ce que Satan a volé lorsqu'il a été précipité, ses rôles, c'est pour entraîner plusieurs personnes avec lui, afin qu'ils puissent mériter le feu éternel. Ils veulent les succès. Plusieurs rappeurs. Allez à la télévision, vous allez voir. Allez dans ces pas, dans ces, même sur Internet. Regardez dans ce qu'on appelle Illuminacity. Vous allez voir tous ces gens. Plusieurs rappeurs sont là avec des sacrifices, avec tout ce qui se passe comme geste à la main. J'évite de faire ces gestes parce que je peux faire aussi ces gestes. Quelqu'un prend juste seulement ma photo pour dire que voilà les pasteurs qui font ça. Je ne fais pas ça. Alléluia. Et on risque de me voir sur Google ou sur YouTube que les pasteurs qui utilisent les signes diaboliques, vous les connaissez. Et prochainement, nous chercherons un tableau, on les dessine, afin que vous sachiez. Comment quelqu'un peut chanter en faisant tout ce que vous connaissez? Comme signe. Comment après avoir mérité les acclamations? Je crois que quand vous méritez les acclamations, vous pouvez aussi acclamer ou bien saluer les gens avec vos cinq doigts. Comment vous devez les réduire? Je ne sais pas comment. À deux, à trois. Et si on voulait couper? Vous tiendrez votre fourchette avec combien? C'est ainsi que vous voyez tous ces gens-là qui prennent cette inspiration. Vous les verrez, tous ces musiciens, vous les verrez dans la drogue, vous les verrez dans la magie, vous les verrez dans l'occultisme, vous verrez qu'ils ont sacrifié. Par exemple, dans les Illuminacity là-bas, pour avoir du succès, on vous oblige. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est malin. Ne pensez pas que vous serez, le matin chez le diable et le soir chez Dieu. On ne vous comprendra pas. Lorsque vous allez chez le diable le matin, il vous dira, allez avec tel geste le soir. Vous venez à l'église, on voit seulement en train d'acclamer de cette manière-là. On va vous faire sortir. Nous devons acclamer Dieu avec nos cinq doigts. Alléluia. Pas des doigts en partie. Il s'est infiltré dans tous les domaines. Dans plusieurs domaines du système actuel du monde, le diable, dans cette colère qu'il a été précipité, il s'est infiltré. Et j'aimerais insister dans le domaine de la musique. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode.
quand on travaille, on a les écouteurs, on a des iPods, tout ce que nous avons en train d'écouter. Bien-aimés, vous écoutez quoi? N'écoutez pas les choses qui vont vous amener lentement mais sûrement à la destruction. Si demain vous n'avez pas eu le temps de méditer la parole de Dieu, alors c'est la parole de Dieu qui amène au vrai succès. Tout ce que le diable offre n'amène pas au succès. Ce sont des choses temporaires. Vous l'avez, et après le temps, c'est la destruction. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui meurent d'une manière tragique. Tout simplement parce qu'il a servi le diable, il a servi le diable. Et le diable ne veut pas qu'à un certain moment, ces messieurs puissent lâcher les secrets. Et pour cela, vous mourrez de manière tragique. Le vrai succès, peuple de Dieu, dans tous les domaines, même dans les domaines de musique. Je sais que vous ne pouvez pas seulement chanter les gospels si vous voulez. Vous pouvez chanter des chansons qui édiquent, des chansons qui montrent la révolution de tout ce qui peut y avoir comme chanson, mais en vous inspirant aussi de Dieu. Alléluia. Quand on s'inspire de Dieu, on peut éduquer aussi la masse. Le diable n'a jamais donné le succès. C'est un tricheur du succès. Le vrai succès vient de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras dans ce que tu feras. Et c'est alors que tu auras le succès. Le succès dans tous les domaines. Tous les domaines où vous travaillez, vous avez besoin de vous inspirer de la parole de Dieu pour avoir du succès. Lucifer avait une place considérable, mais à cause de son orgueil, il a été précipité. Nous voyons bien dans Ésaïe cela. Il a été précipité. Aujourd'hui, il a un peu du pouvoir. Un pouvoir avec lequel il travaille pour entraîner plusieurs avec lui. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que lorsque Jésus revient, tous ses pouvoirs, lui sera ravi. Et Jésus, avec son Église, régneront pour l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, ne nous contentons pas aux miettes, aux petites choses qu'il peut vous offrir aujourd'hui. Lucifer veut bien qu'il soit adoré. Parce qu'il est en train de maîtriser le système. Et ici, il maîtrise même les systèmes, c'est pas politique. Même dans ce pays, plusieurs des politiciens, en commençant, lisez bien les livres d'histoire de ce pays, vous allez voir que la franc-maçonnerie a commencé il y a bien longtemps. Bien aimé, pour bien diriger une nation, on n'a pas besoin d'être franc-maçon ou bien rose-chrétien. On a besoin de sagesse de Dieu. Car le roi Salomon, pour chercher à diriger la nation de Dieu, il a demandé la sagesse à Dieu. Amen. Si on vous place directeur ou bien PDG d'une entreprise, partout où vous vous retrouvez dans le rôle de dirigeant, mais bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin de l'occultisme. Demandez seulement la sagesse de Dieu qui est au-delà de l'occultisme, qui dit gloire au Seigneur. Parce que toutes ces choses seront ravies au diable. Il a demandé même à Jésus de l'adorer. Il dit, voilà, je vais te donner les royaumes de cette terre. Mes amis, le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Mais à l'heure actuelle, il y a les systèmes dans lesquels Satan est en train de régner. Mais bientôt, cela lui sera ravi. Et si nous lisons bien les Écritures, nous allons bien nous rendre compte que ces événements qui se sont passés, la précipitation de Lucifer, cela a eu lieu avant la création de l'homme, avant que l'homme soit placé dans les jardins d'Éden. Parce que lorsque l'homme a été placé dans les jardins d'Éden, Satan et Lucifer étaient déjà précipités, il était déjà devenu Satan. Voilà pourquoi il s'est présenté sous la forme du serpent pour séduire Ève dans les jardins. Alléluia. Ces choses se sont passées avant que l'homme soit placé dans les jardins, avant que l'homme soit créé selon l'image et ressemblance de Dieu. Et je peux peut-être aujourd'hui surprendre plusieurs. À la lumière de l'Écriture, on peut comprendre que avant que l'homme soit placé dans les jardins, il y avait déjà une race de créatures qui étaient sur la terre. Avant que l'homme soit placé. C'est pourquoi l'homme, quand il a été placé dans les jardins, il a reçu la mission de remplir et de dominer.
de remplir et d'assujettir, de dominer tout ce qu'il devrait trouver comme espèce, de dominer la race qui était là. Je peux même conclure, en voyant la précipitation de Satan, je peux conclure qu'il y avait certainement une race de démons. Alléluia. Tous ceux qui avaient suivi Satan, tous ceux qui étaient dans cette rébellion, certainement ils étaient là. La chute de Satan a causé beaucoup de dégâts. La Bible dit au commencement, nous sommes dans Genèse chapitre 1er, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. On arrive au verset 2, on dit la terre était informe et vide et il y avait un chaos, un désordre à la surface, mais gloire soit rendue au Seigneur. Pendant qu'il y avait ce désordre, pendant qu'il y avait ce chaos, l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir afin d'apporter la restauration. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan, lorsqu'il a été précipité, il a amené le désordre. Il a amené le chaos. Il a amené le désordre dans tous les niveaux. Et aujourd'hui même, nous voyons les désordres que Satan a amené s'est infiltré dans les cultes. Dans les cultes de Dieu, les cultes de Dieu s'est détruit. Nous détruisons tous les jours les cultes de Dieu. Comme tous ces gens qui sont entrés dans les temples de Dieu, ils sont en train de faire le commerce. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, peuple de Dieu, nous sommes en train de faire le commerce dans les temples de Dieu. La louange et l'adoration n'ont plus sa place. La louange et l'adoration n'ont plus de place dans les cultes. Nous chantons, nous dansons. Vous allez voir les gens en train de danser, en train de bouger. Mais dans leur cœur, il y a la satisfaction des désirs mondains. Nous chantons, nous dansons, pas pour plaire à Dieu, mais pour satisfaire à nos nostalgies du monde. Parce qu'on sait que telle personne, on ne peut pas les trouver dans des casinos ou ailleurs, mais qu'on les trouve un peu à l'église. Regarde la danse des danses obscènes. La seule différence, c'est que nous, nous sommes seulement habillés. Alléluia. Aujourd'hui, l'adoration et la louange a perdu sa place. Au lieu d'adorer le Créateur, nous adorons par l'adoration. Les leaders de musique sont devenus aujourd'hui des stars dans les églises. Nous prions que Dieu ne nous amène pas des leaders stars ici, mais que Dieu nous amène des adorateurs, les gens qui inspirent l'adoration, alors qu'ils se placent du haut de la chair, qu'ils se placent en ces lieux, en train d'adorer, que tous les peuples soient emballés, en train d'adorer les créateurs, les seuls qui méritent notre louange, les seuls qui méritent notre adoration. Nous n'avons pas besoin des stars, nous n'avons pas besoin d'une chorale qui se concentre sur l'immoralité. Dans plusieurs chorales aujourd'hui, c'est l'immoralité qui règne. Telle est copine à l'autre, ainsi de suite, tout ça. Après, il y a des chants, répétitions, ils chantent, ils se font des signes. Combien de chorales aujourd'hui sont détruites? Tout simplement parce que les diables, connaissant bien le secret, connaissant bien ce qui vient par la louange et ce qui vient par l'adoration, ils commencent à détruire ces gens. Non seulement nous allons nous attaquer à eux, mais prenons le temps à prier pour tous ceux qui nous conduisent dans la musique. Alléluia. Parce que dans cette église, nous aurons l'habitude, quand nous sentons que ta voix devient une voix séduisante, nous t'arrachons aussi séduisement les micros. Alléluia. Peuple de Dieu, connaissant bien, je répète, les secrets de louange et d'adoration, le diable s'est infiltré dans ces domaines. Il est en train de voler et de séduire. Il séduit l'église dans la louange, il séduit l'église dans l'adoration. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de nous consacrer, nous avons besoin de nous sanctifier, nous avons besoin de nous purifier et de consacrer nos voix. Alléluia.
J'aimerais que lorsque nous venons, lorsque vous voulez chanter, vous qui êtes dans l'ordre de chanter, lorsque vous voulez toucher aux instruments, sanctifiez-vous, purifiez-vous et dites Seigneur, lorsque je vais chanter, que ma voix puisse amener ta gloire, que ma voix puisse amener ta présence, même si c'est la seule voix qui soit entendue, mais que cette voix, j'ai béni le Seigneur comme pour les pasteurs, comme les pasteurs Ivan Castano qui est en Europe. Vous sentez cet homme de Dieu quand il chante, vous sentez vraiment que c'est un adorateur. Il ne chante pas pour chanter, mais il adore. Vous voyez des chants du type Paul Wilbur ici aux États-Unis. Quand il chante, vous sentez que c'est un adorateur qui chante. Nous avons Ron Kenoly. Quand il chante, vous sentez vraiment que c'est un adorateur qui chante. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Je peux dire aujourd'hui, Paul Wilbur, Ivan Castano et tous les autres, ce sont des hommes de la même nature que nous. Nous pouvons suivre leur exemple et adorer le Seigneur. Alléluia. Parce que le ministère de louange et adoration devra prendre et récupérer sa place dans l'église. Car l'église a perdu cela il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler des anges, nous voulons que nous puissions retourner et donner la place à ce ministère dans l'église. Car la louange et l'adoration amènent la guérison, amènent la restauration, amènent la joie dans les peuples de Dieu. Lorsque Dieu reçoit notre louange et notre adoration comme parfum de bonne odeur, que les anges lui présentent, bien aimés dans le Seigneur, il y a libération des choses surnaturelles. Le surnaturel n'est pas impossible. Le surnaturel est possible. Voilà pourquoi nous devons nous concentrer. Nous devons rentrer dans la louange et l'adoration. Restaurons nos cultes. Dieu voudrait nous restaurer et Dieu voudrait que notre culte soit restauré dans la louange et l'adoration. Lorsque Satan a détruit dans Genèse, la Bible dit qu'il y a eu le chaos, il y a eu le désordre partout. Mais Dieu est venu à la restauration. Je crois à un Dieu qui restaure. Je crois à un Dieu qui change. Je crois, même quand il y a chaos, je crois à un Dieu qui peut donner l'ordre. Même quand il y a les ossements desséchés comme dans Ézéchiel, je crois à un Dieu qui peut ramener tous les os et placer chaque os dans chaque corps et sur chaque corps, les os pas de manière différente, mais tel que placer et organiser et retourner la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois à un Dieu, mais quand bien même nous avons perdu, les dieux peuvent nous donner la récupération. Si nous avons perdu notre joie, les dieux peuvent nous donner cette joie. Si nous avons perdu ce ministère de louange et adoration, Dieu peut nous restaurer afin que nous lui soyons toujours agréables. C'est possible avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous consacrer, nous devons nous purifier. Le diable a volé, mais cela ne lui appartient pas. Cela appartient à Dieu et nous devons rendre toutes nos louanges, toute notre adoration à Dieu et à Dieu seul. Dieu voudrait qu'il y ait parmi nous des adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration devra être spontanée. On ne devra pas pousser les gens à adorer. Lèvez-vous et commencez à adorer. Non, non. L'esprit d'adoration doit venir lorsque nous sommes connectés. Et cela doit partir d'une très bonne louange. Il est bien, vous allez trouver chez les pentecôtistes, les gens de réveil, les gens ont beaucoup plus développé ce ministère de louange. Les gens savent bien louer. Pour chanter, ils peuvent bien chanter, mais pour adorer, la seule phrase que nous connaissons, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, tu es mon Dieu, mon roi, tu es mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, tu es mon Dieu, mon roi, tu es mon Dieu, mon roi. Et quand il sent que les mots sont finis, Raï, Chaporia, Piraï, Raï. Non! Alléluia! Quand l'adoration monte, nous allons partir du niveau de mon Dieu, mon roi, à plusieurs phrases. Alléluia! Nous partirons de mon Dieu, mon roi à plusieurs phrases. Et quand même il s'agira d'adorer en esprit, on adorera bien en esprit. Dans Psaume 24, chapitre 1er, nous allons terminer par là. La Bible nous dit, le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel.
Bien que Satan est en train de travailler dans le système actuel, nous l'avons bien dit, ce système lui sera arraché. Parce que Gabriel, lui c'était un archange qui s'est révolté, mais nous avons Gabriel, nous avons Michael qui sont restés fidèles et qui travaillent toujours pour Dieu, qui travaillent dans sa présence, alléluia. Et tous les jours, il y a un chant nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, un cantique nouveau. J'aimerais que nous puissions chanter un cantique nouveau à Dieu. Église, les autres anges sont restés fidèles à Dieu. Satan a été précipité, il a volé. Aujourd'hui, il trompe. Mais j'aimerais que nous puissions maintenant rentrer à celui qui est digne de louange, digne d'adoration, lui chantant un cantique nouveau. Car l'adoration restaure. Alléluia. L'adoration restaure. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions chanter un cantique d'adoration. Et afin que nos cœurs soient restaurés, okay. Dieu est capable. Dieu est capable. Lève-nous dans sa présence. Tous les anges
seul.